La musique de Star Wars a marqué et continue à marquer des générations de jeunes et moins jeunes apprentis Jedi. Avec son style unique, John Williams a réussi à se hisser au niveau des compositeurs les plus connus de la planète. Il n'est donc pas étonnant que la musique de jeu dérivée de la célèbre saga présente un grand intérêt pour les connaisseurs. Star Wars The Force Unleashed est un jeu sorti en 2008 pour toutes les consoles les plus répandues. Sa bande originale fait environ 90 minutes, dont une bonne heure de musique originale composée spécialement pour le jeu par le compositeur Mark Griesky. Il y a beaucoup d'approches possibles pour cette bande originale. L'un des éléments les plus marquants réside sans doute dans les contrastes musicaux que l'on trouve dans une grande majorité des morceaux. Ainsi, des parties très mouvementées et des parties de suspense s'alternent dans cette bande originale afin de créer une atmosphère digne des films originaux de la saga. Le joueur est invité à s'immerger dans l'histoire et le spectateur d'antan devient acteur. Comment ces contrastes sont-ils créés ? Dans les parties rapides, on peut notamment entendre une rythmique très irrégulière qui garde l'esprit du joueur éveillé et alerte. On y trouve également un accompagnement très agité et répétitif. La percussion joue aussi un rôle très important, comme on peut l'entendre dans l'extrait suivant. On y trouve également de forts crescendi joués par les différentes sections instrumentales. Ces sons pressants semblent inciter le joueur à agir rapidement et sans hésitation. Un élément central de ces parties agitées est constitué par des interventions aléatoires d'un grand nombre d'instruments différents. Parfois, on dirait même que la musique se livre un combat. On peut particulièrement bien entendre ce côté dans l'extrait suivant. En contraste avec ces parties très agitées, on retrouve des parties assez flottantes qui créent une atmosphère inquiétante. Cette atmosphère est notamment créée par un son continu dissonant joué le plus souvent par les cordes. Les glissandi jouent également un rôle important. Mais ce sont surtout les bruits aléatoires et les changements de rythme qui ne cessent de surprendre le joueur et qui créent en lui un sentiment d'angoisse. L'alternance entre les parties agitées et les parties de suspense renforce encore l'impression du joueur de se trouver véritablement au milieu d'une histoire. Il a l'impression que quelque chose pourrait se passer d'un moment à l'autre et reste ainsi sur ses gardes pendant la totalité du temps. Il est indispensable de noter le travail remarquable de Mark Griesky, le compositeur de la bande originale de Star Wars The Force Unleashed. Il a fallu qu'il imite parfaitement le style de John Williams sans pour autant le plagier. Un exercice d'une très grande difficulté. Mais Mark Griesky a relevé le défi en utilisant habilement tous les éléments stylistiques de John Williams. De l'utilisation massive des cuivres et de la percussion jusqu'à l'orchestration très caractéristique,
Marc Griski a su allier les aspects techniques avec une grande imagination musicale afin de créer une bande originale unique, reconnaissable et digne de cette saga historique.